Bonjour, je m'appelle Marc-André Girard, je suis directeur du secondaire au Collège Beaubois, qui est une école située dans l'ouest de Montréal, au Québec. Je suis ici pour vous témoigner de mon expérience au REFER, et c'est certain que j'aimerais vraiment être près de vous à Ludovia. Je pense à vous, et puis au moins je suis présent avec vous virtuellement. Donc le REFER, pour moi, c'est essentiellement trois choses. La première chose, c'est l'importance de la pédagogie. Le congrès est axé sur les pratiques enseignantes, sur l'importance de la pédagogie et non pas nécessairement sur la technologie ou les autres outils. Et pour moi, c'est ce qui fait que le REFER est unique et différent de la pléthore de colloques qui existent pour mettre en valeur l'utilisation des technologies en éducation. Souvent, on utilise la technologie comme une fin, alors qu'au REFER, c'est utilisé comme un moyen. La fin, c'est la pédagogie, c'est l'apprentissage. Deuxièmement, je vous dirais que le rôle des élèves est quelque chose d'incontournable au REFER. Donc, on utilise les élèves pour qu'ils viennent témoigner du génie de leurs enseignants. Donc, les élèves sont là pour rayonner, ils sont là pour vivre une expérience parce qu'ils participent au développement professionnel de d'autres enseignants, mais également, ils vont montrer à quel point les activités qu'ils ont vécues sont géniales et c'est quelque chose d'intéressant qui va permettre d'inspirer d'autres éducateurs. Donc, les élèves sont là en réalité comme étant un levier pour convaincre et pour inspirer d'autres enseignants. Finalement, le réseau. La beauté du REFER, c'est le réseautage. Donc, avoir des activités de formation, de discussion qui ont lieu de façon synchronisée avec d'autres pays, ce qui se passe en Europe ou encore en Amérique du Sud, en Afrique. Alors, c'est quelque chose d'unique et ça permet justement d'enrichir tout l'aspect francophone à l'éducation telle qu'on la vit chez nous au Québec, au Canada, en français, mais aussi en Europe. Donc, c'est un partage qui est inestimable. Une fois plus, Marc-André Girard du Collège Beaubois à Montréal. Merci bien.